Bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on continue la map russe de Transport Fever 2. Aujourd'hui on va compléter la ligne de fret de biens de consommation pour Moscou. Et là je suis en train de me demander pourquoi j'ai 4 heures. Ah oui, c'est vrai, j'avais prévu le coup. Bon, alors ici le trajet est court, donc je mettrai des locaux relativement faiblard, pas de caténaire, voie ferrée parallèle, oui. On va mettre comme ceci. Aujourd'hui, on va boucler la voie pour les biens de consommation et si possible, alors là il faut vraiment, j'essaie vraiment en fait de voir, voilà, au maximum comme ceci. C'est vraiment pour la mettre sur l'extérieur. Voilà. Donc si c'est pas trop long, il se peut que je fasse une ligne de plus. Une petite ligne supplémentaire. Sait-on jamais. Là on a pour le fer, maintenant il me faut le charbon qui se trouve ici. Sauf que le charbon, on va mettre des rails plus rapides. Voilà. Plus rapide, et en fait le charbon il faut que je link ici. C'est là tout le problème. Et merci d'avoir encore claqué une porte. Ça comme ça, ça comme ça, on est bon. Comme ça, on suit le chemin. Vois sur ton chemin. Pardon. On va essayer de décrocher à partir d'ici alors. Ça va pas, c'est trop sec. Je vais partir par là. Hop. Ouais, ce qui me gêne. Il y a des moments comme ça où le jeu est casse-burne et on n'a pas peur des mots. Pourquoi il me fait ralentir à sec comme ça, c'est débile. Ah, regardez ça. Ici, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a rien. C'est...
Bref, bref, bref. Bien, ici alors, on va devoir. Alors, on va devoir faire quelque chose ici. C'est-à-dire ceci. Pourquoi j'ai un rail au milieu, je ne sais plus. Ah si 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 si. C'est pour les briques. La distribution des. C'est pour la pierre qui va aux briques. Oui. Alors est-ce que je peux. Oui, je peux mettre ça comme ça. Un tunnel un peu plus moderne, merci. Et peut-être mettre. Non, il est en plus. Je croyais qu'il était à l'arrêt. Ma faute. My bad. Pourquoi je mets trois rails là? Pourquoi je mets un triple rail alors que j'en ai pas besoin? Donc le charbon devra venir ici. Je suis en train de réfléchir. Hein. Parce que là. En fait, là, il y a peut-être un rail en trois. Donc le charbon doit aller là, il y a ça ici. Sauf qu'ici. Ouais, non, en fait, je fais un rail en trois. On dégage ça. C'est juste que je me dois. Sauf que là il voudra pas. Et mercredi décembre. Soyons zen. Voilà. Tu vois, Eric, il faut juste être zen. Tu es toujours zen. C'est un mensonge éhonté, certes, mais l'essentiel c'est d'y croire. D'y faire croire, car c'est ça la politique. Et tant qu'on y est, hop. Voilà, comme ça c'est déjà préparé. Donc on a le fer qui doit arriver ici. Alors attendez. Attendez, hein, parce que là. Là c'est l'instant. C'est un peu l'instant. Voilà, c'est Gromit. Ça devient bordélique, quoi. Pas de brick bumper. Concrete bumper. Voilà. On va prendre des rails. À 100, c'est toujours ça. Les rails à 100, maintenant c'est le gros bazar. Donc ici, on les garde en ligne droite comme ceci. Active le parallèle pour avoir plus facile. Donc le truc c'est de les linker sur les lignes violettes.
Et une violette AK. Ici. Sauf que là, ça va pas. Si à place. Alors, attendez, hein, je regarde comment je pourrais faire. Le problème, c'est qu'ils sont un peu en hauteur. Là, si je fais ça. Ça, ça reste toujours assez chiant. Vu que c'est en sortie de gare, donc j'ai envie de dire que là, s'il faut, je peux peut-être un peu traficoter sur les vitesses. Ce que j'aime moins, c'est de voir pourquoi il y a de la. Ah, 90 sont ceux-là, c'est normal. On est bien d'accord que. C'est le carburant Moscou et le pain Yekaterinbourg, donc c'est bien celle-là. Là, on est OK. Donc là, ce qu'il me faut, c'est juste... Ce qu'il me faut, c'est juste ça en fait, ces trappes là. Voilà, si je peux avoir du 90. Non. En fait, ce qui me scie, c'est que je le mets à plat, mais il y a quand même un petit rebord. C'est juste ça qui m'emmerde hein, là. C'est juste le fait qu'il y ait ça. Dire si je suis maniaque. Ou alors je link plus loin tout simplement. Ah ouais, je link comme ça en fait. Pourquoi je me prends le chou? Le bazar, voilà. Voilà, comme ça on est bon, non? Bon, ce qui est sûr par contre, c'est que j'ai deux voies. Construction impossible, pourquoi construction impossible? Ça c'est ok. Encore que... Alors là, normalement on est bon. Je vais mettre un comme ceci. Ici également. Et il m'en faut un pour le charbon. Et on va remettre en plaie et mettre les lignes en route. Donc primo. Ah
Ah bon sang, il faut que je mette les feux. Je vais mettre les feux aussi. Donc, fer, sud. Ça, on est bon. Je vais mettre les feux. Sens unique, oui. Autosig, oui. 1 km. Hein, c'est un peu excessif vu la longueur de certains trajets, comme ici. Mais c'est pas grave. Et on est ok. Alors celui-là je le garde parce que je ferai peut-être des jonctions. Ça peut être intéressant. Donc le fer, on va le mettre en place. On va mettre loco diesel. On va prendre des petites locos à 60 parce que j'ai envie de varier un peu. On va mettre des comme ça, elles ont l'air bien. Et comme ce sont des locaux à 60, je peux mettre des petits wagons si je veux, en fait. Je peux mettre ça, mais bon. J'ai les wagons plat rancher standard, j'ai steak car comme ça, c'est peut-être mieux. Pourquoi je mets ça? Pff, oh là 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 là. Andouille. Eric, t'es pas concentré sur ton job là. Ah, j'ai que des dump cars comme ça ou des wagons tombereaux assis dessus. Alors je vais prendre ça, mais. C'est pas ouf. Charbon, qui elle va demander aussi des signaux, mais qui n'arrive pas à se connecter non plus d'ailleurs. Voilà, quai numéro 2. Quel est le souci ici? Quelle est la nature du problème? Ah! J'avais pas mis jonction ici. On va mettre les signaux également. Ça on est bien et on va mettre des signaux à partir d'ici et de là. Alors ici par contre je pense que ce serait mieux. Et ça voilà, celui-là est mieux. Ensuite, on rajoute ceci. Voilà, et on va en remettre un ici. Normalement, là, c'est bon, oui. Déjà on va dégager ça. Et là on va placer un train avec un petit peu plus de punch.
Là, on peut mettre les PKP, par exemple. Ça peut être sympa. Je vais remettre une double traction. Et c'est du charbon, donc on a le dumpcar, on a les wagons tombereaux 6 roues. On va prendre les wagons tombereaux aussi. J'ai l'impression, oui, il n'y a pas de son non plus sur celle-ci. Il y aurait des soucis. C'est étonnant. Alors, charbon sud. Ce serait étonnant, c'est ironique bien sûr. Hein. Ah non, c'est juste que le son est léger. Ouh. J'ai rien dit. Le son est léger, ouais ouais, au premier abord. Voilà, donc ça c'est fait, ce qui veut dire que maintenant on va faire de l'acier ici. Il me faut ceci maintenant. Il me faut ceci. Pas d'autocycle. Maintenant, on va faire la connexion jusque Moscou. Alors normalement, c'est déjà fait. Alors attendez, il y a Catherine Bourril où il est là. Voilà, normalement les connexions sont déjà faites. À ce niveau-ci, en fait, tout ce que je dois faire, c'est suivre le carburant de Moscou. C'est tout. Ce qui veut dire que là... Non, qu'est-ce que je raconte? Pop, pop, pop. Eric, c'était pas concentré. Non, 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 on doit suivre. On doit amener ici. Ah, et c'est pas la même. On va l'amener ici, ce qui fait que j'ai le choix entre prendre ici pour faire une bifurcation. Je crois que le mieux c'est ça. Donc on continue. On va le mettre en accéléré, histoire de dire. Et on va rejoindre là-bas. Sachant qu'ici en plus, hop. Voilà, par contre, c'est un petit peu plus... Bon, je peux le laisser à cette altitude-là, hein, finalement. Juste que je changerai la route. Je changerai la route. Bien, ça je peux désactiver. Et donc, l'acier, il faut que je l'apporte au centre ici. Alors attention, est-ce que je peux linker quelque part? Non. Voilà. Essayons d'être RP. Hein. Hop, un minimum. Bien, il me faut donc ces signaux de nouveau. Sens unique, oui, 1 km, oui, etc, etc. Alors,
Alors ce qui est bien, c'est que le rayon-kilomètre, en fait, il le pose direct là, donc... Parfait. Et lui, il le pose là, c'est très bien. Et j'ai pas besoin d'en faire plus. Donc maintenant, nouvelle ligne. On va voir, normalement, ça va se connecter sans problème. Yes, 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 yes. Donc celle-ci, c'est acier sud. Ça, c'est l'acier. Et ceci, ça va me demander d'utiliser un autre train, de nouveau. Et vu que c'est de l'acier, là, on va mettre ce qu'il faut. Alors déjà, on va prendre... On va prendre une doux... Ah! Nouveau matos, dump car, camion, etc. Ok. C'est vrai que j'ai des nouvelles unités multiples, donc il faudrait peut-être que... Je vais tout doucement les mettre en place. On va prendre celle-ci. Acier. Est-ce que je sais mettre de l'acier sur celui-ci? Non, je peux pas. Donc en fait, là, je vais faire... dire que c'est un peu spécial, mais j'aime bien faire une variante comme ça. Alors le problème, c'est que du charbon, on en a pas. On a 600 de fer, mais on a 0 de charbon. Le charbon est en train d'arriver tout doucement. Alors, si on regarde les lignes ici, faut pas que j'ai celle sur le côté en fait. Voilà. Charbon 269, le fer 805, c'est colossal, c'est débile. C'est beaucoup trop. L'acier 121. Donc l'acier est pas mauvais. Le charbon, faudrait que je booste peut-être. On va en rajouter un. Ça met 5 minutes et met 540, c'est bon. Ici, on a ces petits-là qui tournent plutôt bien. Voilà. Par là, c'est parfait. Le plastique qui est là-bas, ça donnait quoi? Alors ça donne que on a même pas encore de plastique, c'est normal. Voyons un peu au niveau du carbu. Au niveau du plastique en attente, là, voilà. Ah voilà, le son est revenu. Petit bug sonore dans le jeu, c'est normal, c'est le nombre de modes qui fait que... Ok, alors ce qu'on va faire, c'est s'occuper des lignes en trop. Celles qui ne servent plus à rien, celles que j'ai décidé de dégager. On va être en pause pour y voir plus clair, donc... Ces trains-là, on les vend. Et on va raser. Gestion de la ligne. Elle disparaît. Bon, je vais détruire les rails par après. Hein. Je vais pas vous faire supporter ça. Alors celle-là, il y en a plus besoin. Ça non plus, il y en a plus besoin. Sur des véhicules,
Hop. Du sandaling. Hop. Véhicule. Et tout. La ligne. Et tout. Véhicule vendu. Ligne. Disparition. Voilà, bon, je vais pas tout dégommer tout de suite comme ça. Ça, je le ferai après, mais ce que je vais faire du coup, c'est dégager ça. Voilà, ça c'est mieux. Et cette foutue... Oula, doucement. Alors j'ai toujours pas remis en place la sauvegarde auto, faut que je... faut que je sauvegarde manuellement. Au cas où. Puis je vais regarder le timer et on verra, on fera peut-être une petite ligne de plus. Une petite ligne passager. Voilà. C'est mieux. Alors le timer. Oh, 32 minutes. Est-ce que j'ai une ligne courte à faire? Non. En revanche, on peut regarder le matos qui vient d'être débloqué. Et peut-être un peu moderniser 2-3 trains. Bon, et aussi vérifier quand même une chose, c'est... Pétrole raffiné, t'en as deux. Plastique Moscou, t'en as qu'un. Il met 29 minutes. Deux. En mode dupliqué. Hein. D'ailleurs, le pétrole. Il amène 189. Le plastique, il prend 128. Ça, ça. Le ratio est bon. Le ratio est bon, bien. Ah, limite, on... non, une cabraille, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Bien, voyons. Donc, on a celui-ci, qui a une nouvelle version. Alors, on a le Kursk-Kuznetsk, qui a besoin de modernisme. Moscou-Penza. Kuznetsk, c'est où déjà? C'est là-bas. Alors... on va aller changer. Transporte combien? 78. Ok. Unité multiple diesel. On peut faire du 120. C'est quand même pas mal. Est-ce que je les change? Je crois plutôt que je vais changer ceci. Ceci, déjà, je vais mettre la nouvelle version. 3 wagons, ça me semble bien. Par contre, c'est la hauteur du quai qui m'inquiète. Non, la hauteur du quai sera la même. Ici, il attend que la voie soit libre pour s'engager. Bien. Ah, il y a des petits lacs, ça commence à être un peu chargé.
Alors, Moscou Arkhangelsk, ça va. Moscou Penza. On va les changer. J'ai quoi en passager? Donc j'ai les USC, j'ai les Amendorf normaux. Loco électrique, donc j'ai la CHS-4 russe, elle ce sera pour le Transsibérien quand je l'électrifierai. En diesel, tiens, PKP Cargo, oh, sympa celui-là. Marchandise, il n'y a rien de neuf. En électrique multiple, donc j'ai quoi? J'ai ça, j'ai le RVR R22. Ça va être pour changer l'autre. Ah oui, ceci. Les anciens qui sont mis au diesel, donc les S3A6M mis sur batterie, conçu pour les lignes mixtes. Seulement 10 trains ont été conçus et ont opéré dans les pays baltes, pays de la Baltique. À la limite, je serais presque tenté d'en mettre un. Juste pour la rigolade. Mais ouais, non, c'est 85 à l'heure, c'est beaucoup trop lent, quoi. 85 à l'heure, c'est de nouveau un super lent. Bon, blague à part. On a le 3 wagon, on a le 4 wagon, on a le 5 wagon. Le 5 wagon, je sais où je vais l'utiliser. Et comme c'est là, en fait, mettre un 4 wagon, je sais pas, je suis pas chaud. Ah non, je crois qu'on va s'en tenir là. Ce qu'on peut faire par contre, c'est accélérer. Je veux voir si l'usine tourne bien. Comme ça, je serai rassuré par rapport à mon boulot. J'ai pas de plastique, j'ai pas d'acier. Alors mec, une question, t'as été chercher du plastique à un moment donné ou pas en fait toi? Ou il vient seulement d'arriver? Oh, me dites pas qu'il vient juste d'arriver là-bas seulement, c'est complètement con. Non, ça doit être ça. Ça c'est le cargo Moscou. On va laisser un peu laisser le truc se faire. Et donc l'acier, il n'y en a pas encore. Oh oui, mais forcément. Punaise. RX, t'es con. Mais genre con avec un grand C. Ouais, un crétinus, crétinum babaorum. Bon, on va remettre une comme ça, mais on va changer la couleur. On va en mettre une rouge. Ouais. Des biens de consommation. On va donc cette fois utiliser une variante. Oh mon dieu, le Dunker ici, XXL. Oh! Magnifique. Bon, on va en mettre qu'un. Imbécile heureux, forcément, si tu finis pas en mettant le dernier train, ça ira pas. Là, ça commence à devenir dur. Il y a vraiment les micro-lags constants.
Bon, du coup, là, normalement, ça devrait le faire. Ça tourne. On va aller voir. Donc, le carbu ici, ça, on s'en fout. Pas qu'on s'en fout, mais c'est pas le plus important. L'acier. Il y en a bien un qui est en route. Ouais. Il y a bien celui-ci qu'on pourrait aussi moderniser. Peu de temps pour ça, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais nettoyer ce qui reste à dégager et ensuite, prochain épisode, je pense qu'on va déjà finir ici. Il y a une boucle que j'ai toujours pas faite entre Orenbourg, Mias et Chelyabinsk. Et on finira aussi la ligne tout doucement. C'était laquelle? Il y avait une ligne ici, oui, voilà. Omsk. La ligne de Omsk qui s'est arrêtée, qui devait aller vers Kourgan et ensuite relier Chelyabinsk si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'était ça. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!